The unauthorized reproduction of all or any part of this product or the unauthorized use of registered trademarks are likely to constitute a criminal offense. It's Sony Computer Entertainment Europe presents Game Design Sweden AB. It's Cooler World! Salut nous, Yassé! Bienvenue dans la saga jeux vidéo ludique polygonale sur notre bonne vieille PlayStation, j'ai nommé Vieille Station. Aujourd'hui, on s'attaque que bon nombre de petites pattes sur PlayStation connaissent, mais en dehors de la PlayStation, et ben pas trop, et ça s'appelle Cooler World. Alors, je dédique à cet épisode à David, David G, que tu te reconnaîtras bien sûr, mon petit David, et ça me fait plaisir puisqu'il y en a beaucoup qui attendaient cet épisode, et ça fait 20 ans, 20 ans de Cooler World, mes petites pattes, qui est un jeu assez énigmatique dans le graphisme et dans le concept, mais assez simple à comprendre puisque nous sommes un petit ballon de plage. C'est pas souvent les jeux où on a un petit ballon de plage, mais en tout cas, alors on va essayer de se mettre en mode arcade pour le prendre petit à petit, et nous sommes sur un labyrinthe qui est en 3D, et c'est là où c'est intéressant. Il faut récupérer toutes les clés, essayer de récupérer le plus d'objets possible, mais d'aller du point A auquel on est convié. Là, il était ici exactement, et vous voyez que on a tous les axes, c'est magnifique, hein. On a la longueur, la largeur et la profondeur. Nous sommes vraiment dans un labyrinthe en 3D sur des cubes et on dirige une sphère, ballon de plage. On doit récupérer au moins toutes les clés pour déverrouiller la fin qui pompe plus tard, hein, bien des années plus tard, le logo Xbox bien plus tard. Donc on a l'inspiration. Microsoft a chopé chez Sony leur logo. Well done. Alors le jeu n'est qu'en anglais, mais c'est pas grave puisque on comprend tout à fait. C'est bien fait. Donc on a récupéré la clé qui nous amène directement à déverrouiller la sortie. Donc vous le voyez, mes petites pattes, ici, donc on se dirige avec les flèches directionnelles, hein, c'est tout simple. Et là, la sortie, eh ben, on peut pas y aller tout de suite. Vous le voyez, la exit, il est en rouge. Il est pas en vert comme tout à l'heure pour le logo Xbox. Donc on récupère. C'est un jeu d'arcade, hein, vous voyez en bas à droite. Ça vous rappellera très certainement Pac-Man avec les fruits à récolter, un fruit par niveau. Ensuite, en bas à gauche, la clé qui va déverrouiller la sortie où il y a marqué Exit, hein, bien sûr que ça m'excite. Vous comprenez mes petites pattes. Et on peut sauter comme ça d'une case entre nous. C'est le cœur, c'est la fille qui s'en fout entre nous. Regardez mes petites pattes avec la touche croix. Voilà, comme ça. Et on peut récupérer gentiment les pièces qui font monter le high score. Attention, le fruit, exactement. Et là, vous allez me dire, mes petites pattes, mais attends. On n'a pas récupéré de clé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien parce qu'on a récupéré le fruit et la clé qui était là-bas. On peut aussi, alors on peut pas encore tout de suite, mais vous allez voir que la partie 3D est très intéressante, mes petites pattes, puisque si on est bloqué avec, on va dire, des obstacles, des barrières, ou même des trucs qui vont nous crever les pneus, hein, puisque nous sommes un ballon de plage gonflable, ce qui est bien puisque c'est l'été, c'est bien pensé, hein, comme ça, c'est vraiment pile poil les 20 ans, eh bien, on va voir qu'il y a d'autres passages, puisque vous voyez que ce sont des cubes imbriqués les uns aux autres. Alors là, nous sommes dans l'Egypte, hein, et regardez, oh voilà, Super Mario Galaxy avant l'heure, regardez-moi cette petite patte, et voilà, on change, c'est pas qu'on change de dimension, mais on est vraiment dans les trois axes. Alors, la petite clé, vous voyez en bas à gauche qu'il y a les petites animations assez sympas, il y a le sablier que l'on doit prendre en compte en haut. Puisque si le sablier s'écoule, eh bien on aura plus de temps possible. Et du coup, plus on a de temps dans le sablier, plus on a de points à la fin. Puisque vous avez vu, une petite patte, qu'il y a quand même le culte du high score. On est quand même sur un jeu qui a 20 ans, donc c'est normal. Graphiquement, ça ne vieillira jamais, puisque c'est un jeu assez simple, hein. On a des formes géométriques assez simples, assez rudimentaires, hein. On a une sphère qui est très très bien animée d'ailleurs, hein. Il y a que ça qui est animé. Globalement, tout est en 3D. Bon, là on peut se permettre puisque vraiment c'est la folie. Et là vous voyez, mes petites pattes, que on va être en... Je reprends, hein, gentiment, ça fait plaisir. Là on a les pics. Donc si on va dessus, forcément, on crève. Mais on crève au sens propre comme au sens figuré. Et là vous voyez qu'il y a plein de choses à récupérer sur la droite. Eh bien on se met sur la seule parcelle qui est en bout. Et là on peut tourner gentiment. Donc une clé, je crois qu'il y en a. Oui, en bas à gauche vous voyez qu'il y a deux clés à récupérer dans ce niveau. C'est sur un autre axe. Donc on va essayer de récupérer tout ça, mes petites pattes. Il y a le temps qui défile toujours. Mais en tout cas c'est un jeu qui se prend très très vite en main. Et on ne s'en lasse pas. Alors mes petites pattes. Je sais pas si comme vous, vous avez eu la chance de d'abord le tester tout seul. Il reste plus que 38 secondes, 37, vous le voyez, hein. Ce qui est bien, c'est que ce n'est pas que un concept abstrait. Et exit, voilà, donc on va pouvoir se poser. Et effectivement, avant d'acheter le jeu, mais il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent à l'époque. Ah voilà, là, je suis vraiment sur le bout. Et donc, rien de sexuel là-dessus, regardez mes petites pattes. On peut vraiment aller dans toutes les positions en étant la boule sur le bout. Donc ça c'est génial. Donc là, la sortie se fait par là. Donc il faut penser. Et plus les niveaux avancent, plus c'est compliqué. Puisqu'il faut penser un petit peu comme Fez le fera plus tard, dans toutes les dimensions et vraiment tous les axes que nous propose le jeu. Donc là on va essayer, ah bonus, le bonus stage, mes petites pattes, ça va être encore plus la folie. Puisque c'est vrai que ça pourrait s'apparenter niveau inspiration au
bonus stage, au stage vraiment bonus qu'on avait dans Sonic the Hedgehog, le premier, vraiment en 1991 sur Mega Drive. Et là, regardez, le côté psychédélique, il est présent, il est là, avec une musique un petit peu plus rentre-dedans que celle qu'on a là actuellement, puisque c'est quand même plus sympa, elle est posée la musique, et il y a différentes ambiances, le jeu est assez long, il est très très dur, vous vous en rendrez compte mes petites fois, puisque c'est un jeu de réflexion, un jeu de puzzle finalement, et il est vraiment très sympa, vraiment un ovni dans son genre, hein, et là, là on est vraiment plus dans le thème Égypte et tout, donc il y a encore une barre de temps, vous le voyez au niveau du sablier, qui se remplit petit à petit, mais là c'est vraiment pour engranger le plus de pièces, le plus de points possible. Est-ce qu'il y a une porte de sortie? Je ne sais plus, non je crois pas, il fallait vraiment faire tout... en fait on est en discothèque quoi, c'est-à-dire on est sur le dance floor, et là, un petit peu comme Peachin, on va tranquillement appuyer pour rendre lumineux tous les pas et toutes les sphères. Donc on a atteint un point de sauvegarde. Est-ce qu'on va on va peut-être sauvegarder pour faire un temps, sauf si la carte mémoire n'est pas présente. Hein. Vous avez l'habitude, mes petites pattes, sur vieille station, on ne sauvegarde pas. Sauf que là, on recommencerait le jeu depuis tout le début et ça ferait un petit peu mal au baba. Donc là, on est vraiment sur un jeu qui est assez unique en son genre. On en verra d'autres un petit peu plus perchés. Mais ce qui est marrant, c'est que les jeux beaucoup plus perchés, c'est surtout au niveau du Japon, voire exclusivité Japon. Soit ils ont été faits au Japon. Et là, j'ai pas l'impression que ce jeu soit fait au Japon. Alors, je sais pas du tout, parce que là, je me suis dit, on va le refaire comme si c'était à l'époque, avec les souvenirs de l'époque. Et puis, après, on verra. Donc là, on est vraiment sur un autre axe. Ça peut faire penser au Super Monkey Ball, sauf que là, on n'a pas vraiment la notion de physique. C'est-à-dire que, à part les sauts, qui sont vraiment à gérer avec parcimonie, là, il n'y a pas vraiment... On va essayer de prendre le bonus ici. Tac, puisque ça fait toujours un bon bonus. En fait, cette icône sablier, ça retourne le sablier. C'est-à-dire que s'il vous reste plus beaucoup de temps, c'est utile de prendre ce truc, puisque le sablier s'est retourné. Et là, vous aurez à peu près la moitié du temps en plus pour le niveau. Par contre, si vous avez beaucoup de temps et qu'il vous en reste, eh ben, ne prenez pas cette icône. Ça ne sert absolument à rien, mes petites pattes. Donc, ce jeu, je n'avais pas eu l'occasion... Au tout début de le tester en jeu, j'avais testé en démo. Et ce qui est bien à l'époque, alors ça revient à la mode, hein, les démos, ça fait plaisir. Donc c'est des petits bouts, soit c'est le début du jeu, ou soit c'est le jeu avec un temps donné, un temps vraiment très précis. Et donc c'était gratuit, ou soit c'est PlayStation, donc directement Sony qui nous les confiait, ou soit on l'avait dans les magazines. Regardez le sablier là, il va falloir absolument que j'ai quelque chose. Là, je ne peux pas atteindre le bout pour avoir toutes les positions. Comme je vous l'avais dit, mes petites pattes, il ne reste plus que 2 secondes, c'est un peu râpé. Donc, time out. J'espère qu'on va pouvoir recommencer. Voilà, c'est super. Et du coup, je sais pas où sont les nombres de vies, hein, par contre. Hein, là, je sais pas du tout. Je crois que si on atteint 0 points, eh bien, on est fichu. Je crois, en fait, on perd des points lorsque, évidemment, on perd un niveau. Et lorsqu'on perd un niveau et que on tombe en négatif ou qu'on tombe à 0, eh bien là, on perd le jeu directement. Donc là, voilà, ça se tombe là-dessus. Donc je l'avais testé en démo. Les démos, on les avait aussi dans des magazines. Et il n'y avait pas grand-chose à faire d'autre pour découvrir un jeu. Il y avait quoi? Il y avait Marcus à cette époque qui commençait le level 1. Donc qui nous montrait à peu près les 20 premières minutes d'un jeu. Au moins le niveau 1, c'était ça son but sur Game One. Mais tout le monde n'avait pas Game One et il ne traitait pas absolument tous les jeux non plus. Donc il y avait quoi d'autre? Il y avait les magazines avec les tests. Et après il y avait les images des jaquettes. Donc c'est ça qui était bien avec les démos, c'est que c'était gratuit. Et on avait vraiment le choix du jeu, puisqu'on avait plusieurs jeux de disponibles sur une démo. Donc les démos s'arrachent à prix d'or maintenant au niveau enchères, surtout pour les consoles, les vieilles consoles telles que la PlayStation. Donc du coup c'est marrant de voir ça. Donc après, quand la démo t'a convaincu, eh bien tu achètes le jeu après coup. Et c'est ce qui sera passé pour pas mal de petites pattes comme moi. Alors voici la sortie, 10 485 points. On cumule avec les 43 450 points. Et je sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, mais ça enlevait des points quand on perd des niveaux. Donc, jeu assez psychédélique, avec un concept bien à lui. On se perd assez facilement. Plus les niveaux avancent et plus on se perd. Mais ça, c'est tout à fait logique. C'est le but d'un jeu de puzzle, un jeu d'énigmes. Donc, il y en aura plusieurs comme ça. C'est vrai que des concepts, il y en aura eu sur PlayStation, comme par exemple une simulation de montgolfière, une simulation de LSD aussi. Qui s'appelle tout simplement LSD Dream Simulator. Alors comment je passe là-dessus? Et il y a eu des images et des hommages qui ont été faits il n'y a pas si longtemps par 98D Make, qui a fait OK Normal d'ailleurs. Très très bon jeu, enfin
très très bonne expérience jeu vidéo ludique, et ça c'est bien puisque il a le feeling, hein, il a vraiment les vibes de la PlayStation avec des jeux pareils comme Kula World. Kula World, je sais pas exactement comment on le dit. Kula World peut-être. Alors ne pas prendre le sablier là puisque sinon on aurait déjà perdu. Là je ne peux pas passer, je ne peux que sauter d'une case. C'est un petit peu comme pour les échecs finalement. Là je ne peux sauter qu'une case, donc je vais me faire percer. Et c'est pas ce qu'on recherche du tout. Donc où est l'autre bout? Je sais pas, donc on va essayer de sauter comme ça dans le vide. Hop! C'est perdu. Donc il faut essayer de regarder ça. Comment ça se passe ici? On va essayer. Je pense qu'il faut essayer de sauter quand même. Ah oui, ça y est. Je crois savoir où mes petites pattes. Je pense que c'est par là. Il va y avoir peut-être un échec. Attention, mes petites pattes. Alors, on peut pas revenir en arrière. Il faut absolument tourner la caméra. Gauche, gauche ou droite, droite. Pour revenir en arrière. Sinon, on ne peut pas. Voilà, c'était la petite astuce. Alors là, je peux revenir là-dessus. Ça, c'est pas mal. Voilà, la sortie est déjà déverrouillée. Mais on va essayer de prendre le plus de points possible. Et ben de sortir, voilà. Donc on enchaîne les niveaux comme ça. Il y en a énormément, une petite patte. Hein. Et du coup, la difficulté est de plus en plus longue. Ah, voilà. Quand je disais que ce jeu avait un côté psychédélique, c'était pas pour rien. C'était pas parce que on commande seulement dans un espace où on perd un petit peu tous nos repères. On est dans l'air. On commande un ballon de plage. Truc qui n'a absolument aucun rapport. Et bien, figurez-vous, une petite patte, qu'il y a aussi des médicaments. Voilà. Est-ce que vous sentez le côté psychédélique, mes petites pattes? Alors là, c'est fait pour... voilà. Alors, c'est fait pour ralentir le temps, bien sûr. Et ça permet de... Mais voilà. Il y a plein de choses à penser. C'est-à-dire que là, ça fait ralentir le temps. L'autre part, ça retourne le sablier. Donc, il faut penser à toutes ces choses-là. Parce que c'est un jeu de... Voilà. Et vous avez vu que le sablier... était assez furieux. Alors là, je vois que la sortie est dispo. Donc on va essayer de ralentir le temps pour avoir un peu de chance et pouvoir se projeter ici-bas. Oh, c'est assez compliqué pourtant. Ah, c'est dommage. Time out. Donc vous voyez, j'ai perdu 4250 points et 500 points de pénalité par rapport, je pense, au cachet ou des choses comme ça. Alors, il y avait cette inspiration-là, après, dans GTA 3, je crois, à partir du 3. On verra le 2 ensemble, les petites pattes sur VStation, mais le 3, c'est sûr, où il y avait ces cachets, en fait, hein, et qui nous permettaient de ralentir le temps, de se sentir un petit peu invincible. Et en fait, c'est pas du tout le cas, mais ça permettait de faire des choses assez intéressantes pour pouvoir mieux jouer, en fait, et prendre à revers ses ennemis. Donc là, c'est à peu près pareil. Oh, mince, j'ai fait une bêtise. Je l'ai pris. Ah ben on va essayer peut-être de retourner le sablier. Est-ce que c'est à notre avantage? Allez, on va dire oui. Mais pas du tout. Quoique, voilà, la fin n'est pas très loin. On va récupérer les bananes comme dans Super Monkey Ball. Attention, il reste 40 secondes. Mais ça va le faire tranquillou et je ne peux pas revenir en arrière. Donc voilà. On va essayer de regagner les points. Oui, c'est bon. On avait perdu à peu près 5000 points. Là, on a gagné 7690, mes petites pattes. Et on a un point de sauvegarde. On l'a atteint. Donc on va... Ça sauvegarde très rapidement, mes petites pattes. Je sais pas ce que vous en pensez. Regardez. Saving, et voilà. Donc ça sauvegarde très rapidement. Ce serait dommage de s'en passer puisque on reviendrait au tout début du jeu. Et ça, c'est vrai que ça fait mal. Donc, un seul conseil, un prérequis à vous donner, mes petites pattes, bah, et c'est prendre une carte mémoire pour jouer à ce jeu. Parce que sinon, ça serait rapidement à l'ancienne. Hein. Quand je dis à l'ancienne, c'est vraiment dans les vieux jeux punitifs. Alors là, on ne peut pas sauter. On ne peut pas sauter parce que si on saute là, on saute directement dans le vide puisque on saute d'une case. Donc, on va y aller gentiment. Là, ce qui est bien aussi, c'est que ça nous permet de faire des repères. Ah oui, je sais, j'ai compris. Là, et normalement, si on tombe... Ah, on peut pas tomber. On peut pas tomber parce qu'il est glué. Donc, si vous voulez tomber dans un trou, il faut reculer d'une case et sauter. Et voilà, et là, vous l'avez. C'est tout un truc. Je pense qu'en mode complète découverte, ça aurait été un petit peu bizarre, mes petites pattes. Mais là, comme y a des restes d'il y a 20 ans, et bien, ça permet de faire... De faire ce petit épisode, ma foi, sympathique. Enfin, c'est sur un jeu que vraiment je conseille. Hein. Il est what the fuck. Il est pas très lourd si vous voulez le trouver en émulation. Et puis voilà. Voilà, c'est un super jeu. Même si on n'est pas aficionados vraiment du jeu de puzzle comme ça, labyrinthique, eh bien, ça permet d'avoir une porte d'entrée là-dessus. Et ça, c'est plutôt cool. Il y a dû avoir des jeux comme ça. Alors, regardez la tronche du ballon. Là, il a complètement changé. La musique est assez folle aussi. Elle a un petit peu changé. Alors je suis tombé et je pense que je n'ai pas droit
de remonter sur... Voilà, là, c'est un stage bonus, c'est-à-dire qu'ils sont encore plus compliqués. Alors, proportionnellement, hein, bien sûr. Ils sont encore plus compliqués que les autres niveaux. Et du coup, bah, si tu tombes, bah, c'est tant pis pour ta pomme. Voilà. Tant pis pour ta pomme, je sais pas. Et d'ailleurs, c'est le niveau de la pomme. À ce moment-là, donc, comment je fais, là? Je vais essayer de faire ça. C'est raté. Vous l'avez compris, mes petites pattes, c'est complètement raté. Je suis tombé, j'ai perdu que 600 points parce que j'avais rien ramassé. Alors, comment ça se passe ici? Ça, c'est super intéressant parce que là, je sais pas du tout. Alors, peut-être comme ça. Eh non, parce que la gravité fait quand même son effet. Hein, je sais pas si vous l'avez vu, mais même si on va dans tous les sens, bah, ça fait quand même son effet. Donc, il va falloir réfléchir un petit peu plus. Là, je ne peux pas y aller. On est d'accord. Là non plus. Là, vous allez me voir galérer. Parce que là, c'était pas assez loin non plus. Et là, ça tombe... Ah, on va essayer quand même. Non, ça tombe complètement... Bon, on a encore un peu de marge. Hein. Je sais pas si vous l'avez vu, une petite patte. Puisqu'on a toujours pas de vie. Donc là, ça ne tombe pas. Ah, j'ai récupéré un... Ah non, mais ça, je vais tout perdre. Eh oui, c'est ça le truc. Aïe, 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 aïe. Parce que tout ce que vous récupérez, évidemment, vous le perdez. Alors, comment ça se passe exactement? Peut-être par là, comme ça. Voilà. Ça le fait. Ensuite, on récupère la clé et il va falloir faire pareil. Alors, j'ai pas dit que c'était un coup de chance, mais c'était pas loin de ça. Peut-être par là. Ah non, parce que la gravité était inversée. Ok. Donc, on va recommencer, mes petites pattes. Je pense que les petites pattes qui connaissent le jeu vont faire « Mais qu'est-ce qu'il fait, le Yenoul ?» Là, c'est vraiment mode Yenoub. Qu'est-ce qu'il nous fait? Mais bon, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Et c'est vrai que c'est un jeu qui a quand même lui fil à retordre, hein, malgré tout. Donc là, je suis trop loin. Je l'ai fait tout à l'heure, hein, mais c'est pas grave. Là, je suis pas mal pour la sortie. Donc, il faudrait retomber là-dessus. Ok. Donc là, je fais ça. Et je tombe directement là. Donc, je pense qu'on va bien le réussir, mes petites pattes. Ah, j'aurais dû me laisser un marqueur. Tant pis. Donc là, j'ai la clé qu'il faut. Je vais tomber par là. Hop. C'est trop loin. Donc, c'est ici. Voilà, on retombe sur nos pas, mes petites pattes. Voilà. Et c'est tout le temps comme ça, ce jeu. C'est ça qui est fort. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui nous crèvent? Parce que c'est possible aussi qu'il y ait des pics ici. Paf. Et tu tombes un petit peu dans le piège qui t'ont tendu juste avant. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais c'est bien pensé par les concepteurs. Je sais même pas qui a fait le jeu. Parce que vous avez vu, le jeu n'est pas japonais du tout, hein, pour répondre à ma question. Voilà. Là, on a bien pouné le jeu. Parce que là, il y avait un mécanisme de piège, hein. Là, on l'avait bien compris. Eh bien, on l'a eu. Il y a encore un sablier, là. J'ai pas bien vu. Je pense que c'était une pièce bleue. Puisque vous avez vu qu'il y avait des pièces jaunes. Donc, en hommage à Bernadette Chirac, bien entendu, qui était dans ses actions à l'époque. Non, rien à voir. Et il y a les pièces bleues. Évidemment. Alors là, ça va être tendu, mes petites pattes. Puisqu'il va falloir récupérer la pastèque qui est là-bas. Non, je suis vraiment trop loin. Donc, peut-être par là. Oh là là, c'est tendu. On est à flux. On est à flux tendu. Donc on est bien là. Là, c'est là-bas. Ah oui, et donc je peux aller par là. Bon, vous savez quoi, mes petites pattes? Si on peut atteindre directement la sortie, ça peut être sympa. Quoique, on va le tenter. Non, c'est trop loin. C'est trop loin. Ah, avez-vous déjà vu un ballon de plage crier en tombant? Maintenant, oui. Et les pièces bleues rapportent un petit peu plus de points. Oh, le petit... Voilà, c'est pas un petit bug ou un petit glitch, mais c'est vrai que des fois, quand les sauts sont un peu longs, eh bien, il faut le recentrer au niveau du cube. Parce que c'est vraiment un déplacement, un cube. Hein, en gros, c'est pas compliqué, Kula World, c'est comme ça. Et après, mais d'où ça vient le nom? Alors ça, je sais pas. Donc du coup, il y a notre fruit qui est très très loin. Il y a aussi la porte de sortie qui est là-bas. Donc ça peut rapidement... Effectivement, il y a certains joueurs qui ont du mal... Parce que c'est vraiment... il faut avoir un sac à vomi pour certains joueurs, hein. Ça c'est clair et net. Donc il faudrait remonter par là. Et là je pense que je vais être un peu trop loin. Peut-être par là. Rah, je vois pas très bien. Donc il va falloir remonter comme ça. Peut-être que c'est lui qui va nous donner l'accès finalement. Qu'est-ce que vous en pensez, mes petites pattes? Je sais pas, on va tenter. Ici. Et je vais être trop loin de toute manière. Donc par là, ça nous amène un petit peu... Bah, il faut penser toujours, pas qu'en 3 dimensions en fait, il faut vraiment penser à tous les axes qui nous sont offerts par ce jeu, parce que c'est comme ça que vous allez finir les niveaux, mes petites pattes, et c'est cool. Donc on va essayer de finir ce petit bout là. Alors attends, bah, c'est par là,
Donc il faudrait aller par... Ah, c'est peut-être par là. Attendez, une petite patte. Ouh, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Je crois que c'est par là. Et je crois que ça va être... Ça va être bon. Oh, il est loin. Il est loin. Oh là 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 là. Il est juste là. Il est juste là. Alors peut-être que par là... Non. C'est raté. Ah, on n'était pas loin. Bon, on va le tenter une dernière fois, mes petites pattes. Voilà, avec le coup du sablier, la clé. La clé. Non, tu récupères la clé. Voilà. Comme ça. Et après, voilà. Et ici... Et si je le tente par là? Logiquement, je suis pas très loin de la sortie, là, mes petites pattes. Regardez-moi ça. On va se le faire ou pas? Hop. Et on tombe direct sur le X de Xbox, voilà. Et on a récolté 71 000 points. C'est pas mal, hein, voilà. Et c'est infini comme ça. Enfin, c'est infini. Non, il a une... le jeu a une fin, je vous rassure, mes petites pattes. Mais c'est vrai que... le jeu offre une capacité d'adaptation dans le jeu vidéo... Avec un côté vraiment, vraiment une identité propre à lui, hein. Et franchement, c'est super cool de voir des jeux qui sortent un petit peu du lot comme ça. Et Kula World en fait partie. Regardez le nombre de pièges. On est obligé. Si là, on n'est pas obligé de penser en 3D, je sais pas ce qu'il vous faut, mes petites pattes. Hein, mais là, là, on est typiquement là-dessus. Hein, regardez-moi ça. Voilà. Et après, il aurait fallu peut-être user de ça pour récupérer les fruits. Mais on peut aussi aller directement droit devant. Vers la sortie et se faire plaisir, quoi. C'est vraiment un super jeu pour ça. Voilà, donc il y a à peu près tous les éléments. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour pour la découverte du jeu. En tout cas, c'est une super surprise déjà si vous connaissez pas. Mais ça m'a fait d'autant plus plaisir de replonger sur ce jeu parce que je sais qu'il y a pas mal de petites pattes qui attendaient cet épisode. Eh bien, on va se bourrer de cachets. Et pour l'instant, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis matinée pour certains. Je vous dis... pardon. Je vous dis à la prochaine pour d'autres. Et pour tout le monde, je vous dis... Ciao!